Partout il y a Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial. J'ai très hâte de voir le tyrannosaure. Oui, c'est le dinosaure que j'aime le plus au monde. Oh, il n'est pas prêt. Oh, je voulais tellement le voir. Moi aussi. Peut-être qu'il sera prêt plus tard. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Mais c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robo, les T-Robo, les Barobos, des Barobos, Brico-Robo, Costo-Robo. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Chef, quelque chose à manger cette pauvre créature. Il ne lui reste plus que les os. On est peut-être les prochains. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, je ne crois pas qu'on soit en danger. Autrement, nos amis terriens ne seraient pas venus pour le voir. Ils l'ont appelé Tyrannosaure. Dico Robot, analyse. Traitement des données. Le Tyrannosaurus rex, aussi appelé Tyrannosaure, le roi des dinosaures. Il vivait il y a plus de 60 millions d'années. Pas étonnant que nos amis étaient déçus qu'ils soient en réparation. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le dino et on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer le dino. Faisons vite comme une météorite. Ah, wow, ces os sont en train de tomber en morceaux. Il nous en faut des nouveaux. De nouveaux os de dinosaures? Mais où est-ce qu'on va en trouver? Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot. Lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot. C'est un as du recyclage. Dévo robot, activation. Déchets! Bienvenue à cette mission, Dévo robot. Il faudra que tu recycles ces vieux os pour qu'il en ait des tout nouveaux. Déchets! Déchets, déchets, déchets! Déchets! Beau travail, Dévo Robot! Déchets! Mais maintenant, on doit trouver le moyen de remettre tous les os en place.
Rover, lâche ça! Tu ne sais pas où ça a traîné! Vilain robot chien! Juste une spatio-seconde! Bien vu, Rover! Ce dinosaure tient grâce à de gros écrous. C'est ce qu'on va utiliser pour le réassembler. Chef! On n'a pas un seul écrou! Mais par contre, on a les robots! Et il y a sûrement un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre vous les signer? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer! Réparobot, activation! Réparobot, à votre service! Réparobot, il faut que tu boulonnes tous ces os pour que le dino soit enfin complet. Bon, jetons un petit coucou d'œil. Désolé, chef, c'est impossible. Pas sans outils. Enfin, ouais, c'est dommage. Je la sentais bien, cette mission. Eh bien, je retourne au vaisseau. Je vais manger une grosse assiette de spaghettis aux boulettes météoriques. Réparobot, tu pourrais te servir de tes outils. Ouais, attendez un peu. Je viens juste d'avoir une idée. Et si je me servais de mes outils? Bonne idée, Réparobot. Oui, je vais assembler ça en une nanoseconde. Je descends ça, je mets ça comme ça, je le redresse et je le serre. Et puis voilà. Ah, il a l'air tendu. Je crois qu'il manque un petit quelque chose. Carte mère, peux-tu m'envoyer un électromoteur numéro 9? Le modèle de course, si possible. Réparobot, cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce vraiment nécessaire? Ah, s'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Ok, je vais vous en mettre plein la vue. Et activation! Déchet! Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Pluie de comètes! Ce dino va détruire le musée! Allons, les amis! Il faut qu'on l'arrête et vite! Il est trop fort, on ne pourra pas l'arrêter. Peut-être que j'aurais dû mieux le fixer à la plateforme. Nouvelle idée de patrouilleur. Si on peut le faire revenir sur sa plateforme, on va pouvoir l'y refixer. Mais chef, comment est-ce qu'on va y arriver? Il est complètement hors de contrôle. Nom d'une fusée, Rover! Je viens de comprendre! Je sais ce qu'on va faire. Je vais attirer le dino jusqu'à son emplacement. Réparobot, sois prêt à le fixer à la plateforme. À votre service, chef. Mais chef, pourquoi est-ce que le dino vous suivrait? Il ne va pas me suivre. Mais il va suivre à coup sûr le plus gros os au monde. Dévorobot, je vais avoir besoin de ton aide. Déchet! Déchet! Hé, dino! Viens chercher cet os! Nom d'un gaz de Jupiter! Cet os est vraiment trop lourd pour qu'on le lance! Selon tous mes calculs, il est impossible que Roger lui échappe, à moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas, elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1. Non, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. C'est ça que tu veux? Couché, mon grand. Pas bouger. Il est en position.
Maintenant, Réparobot, fixe les boulons. Gentil tyrannosaure. Je devrais peut-être baisser la vitesse de grand ou deux, voire de trois. Tu veux dire que tu pouvais le faire depuis le début? Pourquoi tu ne l'as pas baissé avant? On ne me l'a pas demandé. En tout cas, on s'est bien amusé. Que de bons moments. Dino, réparé, c'est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Le tyrannosaure, il a été réassemblé. C'est vraiment le plus chouette tyrannosaure au monde. Waouh! Merci, patrouilleur Roger. C'est sidéralifique. D'école. Est-ce que tu l'as oublié? Je l'ai laissé à l'arrêt de bus à côté de chez moi. Oh oh, Robert? Une amie a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Une amie qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. De partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est vraiment. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Liqui-Robot, Liqui-Robot, Répa-Robot, Déba-Robot, Brique-Robot, Costa-Robot. Alors, quel robot il vous faut? On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Selon mes recherches, notre amie terrienne a pris le chemin de l'école à partir de là-bas. Alors, son livre ne peut pas être bien loin. Le voilà! Bien vu, Rover! On doit le ramener à notre amie avant que sa classe ne commence. Ça, c'est une mission supersonique! C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va rapporter le livre à notre amie terrienne et on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, rapporter le livre d'école. Faisons vite comme une météorite. Une minute. Cette lumière clignotante n'a pas l'air de vouloir qu'on traverse cette rue. C'est un genre de robot pour les piétons. Il n'a pas l'air gentil. Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Ils nous autorisent à traverser. Dico Robot? Mais qu'est-ce que tu attends?
Eh bien, le robot nous demande de marcher, mais j'en suis incapable, je peux juste voler. Je continuerai avec Rover, si tu es d'accord. Oui, je comprends, chef. Abandonnez-moi, livré à moi-même, sur cette étrange planète extraterrestre. Je sens que je vais attraper un horrible rhume à cause de ce robot. Il a le nez qui coule et il a de la fièvre. Regardez comme il est rouge. Oh, je me sens si seul. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Il n'a pas l'habitude des robots des autres planètes. Il faut qu'on le reprogramme pour qu'on puisse traverser tranquillement. Chef, on n'a pas l'équipement pour reprogrammer un robot. Mais par contre, on a des robots. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre les signes. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Répare-robot, activation. Répare-robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Répare-robot. On veut que tu reprogrammes ces robots pour les piétons afin de pouvoir traverser cette rue en toute sécurité et retrouver le livre. Reprogrammer un robot? Désolé, chef. C'est impossible. En tout cas, pas sans outils. Bon, je retourne au vaisseau. Je mangerai bien des tacos au silicium. Répare-robot, pourquoi tu ne te sers pas de tes outils? Hey, attendez un peu, je viens de penser à quelque chose. Je pourrais me servir de mes outils. Bonne idée, Répare-robot. Carte mère, peux-tu m'envoyer l'électro-robot moteur numéro 7? Le modèle de course, si possible. Oh! Et c'est super astral. Répare-robot? Cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce vraiment nécessaire? Chef, s'il y a bien une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Et activation! Et puis, voilà! Quoi? On doit marcher et flotter? Allons chercher ce livre! Juste une spatio-seconde! Il faudrait qu'on fasse des bonds maintenant! Et maintenant qu'on gigote! Et qu'on rampe! Saturne, le petit bonhomme a perdu la tête. Peut-être qu'il ne valait pas le modèle de course. J'adore le rythme. On a réussi. Allons l'équipe. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant que la classe de notre ami commence. Nom d'une fusée. C'est quoi ça? On dirait une sorte de gigantesque dévorobot. Il a mangé le livre d'école. Rattrapons-le vite. Je crois qu'il a trop mangé. Dégoûtant. Nom d'un satellite! Comment est-ce qu'on va trouver le livre au milieu de ce bric-à-brac? Chef, selon tous mes calculs, cela va prendre à peu près... une éternité pour fouiller là-dedans! On n'a pas beaucoup de temps, les amis. Mais par contre, on a les robots. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage! Dévorobot, activation. Déchets! 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 On dirait
dirait qu'ils parlent la même langue. Bienvenue à cette mission, Dévorobot. Il faudra que tu recycles ces trucs et que tu retrouves le livre d'école à la vitesse de la lumière. Dévorobot aime vraiment son boulot. Le voilà. Allons le rapporter à l'école de notre ami. Pas de temps à perdre. Se gratter le ventre et se toucher la tête. Ce n'est pas évident. Chef, ça ne m'enchante pas de vous le dire, mais il ne reste qu'une minute terrienne pour apporter le livre à notre cher ami avant que sa classe ne commence. On n'arrivera jamais à temps à ce rythme. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Faites vite, chef. Vous n'avez plus que 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Le livre d'école de notre ami est maintenant à sa place. C'est vraiment sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Carte mère, on rentre à la base. Mon livre! Comment est-ce que c'est possible? Le patrouilleur de l'air, Roger! Oh, tu me sauves la vie! C'est sidéralifique!